Donc là, après la petite vidéo détente, on fait un peu n'importe quoi. C'est la nouvelle vidéo, on fait un peu n'importe quoi, mais avec des règles. Alors donc on va mettre 5 vies. Voilà. Les seuls objets autorisés sont la balle Smash, les Pokéballs et les trophées Ed. C'est-à-dire aussi les Nintendogs dedans. C'est à tous les personnages qu'on a, et Nintendogs y compris. T'aimes pas, hein. Par contre, je veux pas changer de couleur, moi. Moi j'ai pas choisi mon perso là, les gars. Bravo. Bah, on est sur une antenne maintenant. Ah, sur Pikmin. Ah non, en fait, je suis toujours sur Diddy Kong, bon, c'est pas grave. Ah, les Pikmin. Ok, encore, alors excusez-moi, pourtant j'ai eu une GameCube, j'ai eu une Wii. Oh, mais je n'ai... Mais j'ai jamais joué à... Il fait mal. Oh putain. J'ai jamais joué à Pikmin. Merde, je suis déjà mort. C'est bien. Bah, j'ai plus joué à Pikmin. Ce qui m'a vraiment donné envie de jouer à Pikmin, c'est Nintendo Land. Ah, franchement, un des jeux sur Wii U, c'est super bien fait. Pokéball dans ta gueule. Donc là, c'est vraiment le tournoi pour juger qui est le meilleur chroniqueur à Smash Bros. Ça va sûrement pas être moi. Donc 5 vies, on compte les points. Et on va dire que. Ah, petit plouf. On va dire dans. Bonjour, 30, ouais. On va dire dans 30 Bonjour, minutes, Lou. On va juger qui est le meilleur de nous trois. Donc on va rappeler pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo. Oh, c'est quoi ça? Oh mon dieu. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, on va rappeler qui on est. Donc moi je vais obtenir, je vous le fais là. Donc TGF, et donc vu que c'est sur sa chaîne, il sait qui il est. Et vous savez qui il est. Donc bah, je dis pas grand chose, mais bon, c'est vrai que c'est. Est un chroniqueur de. C'est pareil, mais merde, je tiens à le dire. Hein, pas un chroniqueur, je suis un let's player. Après j'ai fait des. Faut savoir, après, quand on te dit podcaster, t'es pas content quand on dit chroniqueur, tu fais. Tu Parce que c'est pas peu. Vraiment. Enfin, comment dire. Je suis un non, player de non, non, non. Oh, fais chier. Bon, et bref. Donc, notre ami là, le monsieur qui sait pas ce qu'il est, c'est un let's player. Ah, c'est Resetti. Alors, c'est le trophée. Ah, c'est Resetti de Animal Crossing. Oh putain, non, il prend pas quand même pas tout l'écran. Salopard. Et il fait juste que parler pendant des trucs. Bon, bah, pour tous ceux qui ont joué Animal Crossing, vous comprenez. Que je vous on a pas. Tous. C'est pour ça que tous les joueurs d'Animal Crossing ont une taupe qu'ils ont été tués dans la forêt et qu'ils ont décapité pour la mettre en trophée dans leur chambre. Putain, mais c'est quoi? Je n'arrive rien à voir. Oh, t'as qu'à jouer Animal Crossing, tu comprendrais, couillon. Alors, on va expliquer quand même ça. Resetti, pour ceux qui savent pas, Resetti, c'est quand vous tentez de truquer l'horloge ou que vous oubliez de... Quand vous ne sauvegardez pas... quand vous ne sauvegardez pas dans le jeu, faut savoir que Resetti... Putain, je le tape pour qu'il se casse en bas. Oh non, mais putain! Mais il va s'énerver là! Tu regardes, je tape, il s'énerve! Oh putain, non mais c'est une horreur ce truc! Resetti, pour ceux qui savent pas, dans. Putain de merde! Beaucoup de gens ne sauvegardaient pas dans leur partie d'Animal Crossing pour truquer le jeu et changer la date afin d'avoir plus d'argent. Et les développeurs avaient. Donc les développeurs qui ont remarqué ça! Putain, la flotte! Ah! On met en place Resetti, donc il y a un personnage qui. Qui vous casse les cacahuètes. Je parle poliment, j'ai dit cacahuètes. Couille. Mais attends, non mais sérieusement, il va rester là pendant tout le truc? Non, attends, je commence sérieusement à me poser la question. Il va rester là durant tout le combat? Mais casse-toi! Mais même le Nintendogs. T'as vu, il a dit. Alors fais gaffe à toi, Minam. Il t'insulte, t'as vu? Oui, j'ai vu. Mais même le Nintendogs était plus rapide. T'as vu, il dit que ça sent le coup. Cassos, ah, enfin! Enfin, on voit quelque chose! Vous êtes mort! Boum! C'est bon, quand Cassos est devenu. Ah, aussi... c'est. Oh oh! Non, 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 non! Non! Non, je suis pas mort! Putain, je suis pas mort non plus! Ouais, mais c'est une soirée tardive. Ah, oui, ça, c'est très vite. Oh, non, 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 non! What? Oh putain, c'est. Ok, je suis mort! Ah, après TGF! C'est bon, c'est ma fierté. Ah putain, à une seconde près quoi. On est parti sur Pikmin, donc je vais préciser, donc pour ceux qui arrivent dans la vidéo, TGF est donc un let's player. Let's player. Oh Luigi, ah vas-y allez, Vega tu vas cette fois, allez, c'est à toi, allez, 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 allez. Mario vs Luigi. Comme vous savez tous, on est dans l'année Luigi, donc normalement je devrais laisser Luigi gagner, mais comme je suis un vrai connard. Bon, mais ils ont tellement pas d'imagination qu'ils font des années par personnage. L'année prochaine ce sera l'année Toad. J'aurais bien l'année Captain Falcon. J'allais dire, j'espère que 2014 sera l'année Captain Falcon qui annonce un nouveau FTO. 2014, année Captain America. Tu sais que ça fait des années que les. Tu sais que ça... t'as autant d'espoir que les gens qui espèrent Shenmue 3, quoi. Bah, tu sais, moi, c'est autant. C'est une victoire sans honneur, c'était cheaté. Voilà. Ah, bon, c'est fait. Luigi a pris peur au combat. C'est cool.
Ah, il y a plus de monde d'un coup là. Donc, running gag numéro 3. Donc, Faut changer de personnage. Oui, il y a Luigi. Je vais prendre. C'est bon, ils ont réorganisé. Ah, bah oui, t'as... tiens, je prends Luigi. Vous pouvez tous prendre Luigi. On fait une bataille de Luigi. Non, on fait deux Luigi contre Mario. Ok. Mais alors, si vous voulez vous mettre en équipe. Non, pas en équipe. Non, c'est bon. Bah, vous avez dit deux Luigi contre moi. Oui, mais non, mais c'est juste symbolique. Ok, on regarde pas symbolique. PTGF est un let's player sur Phoenix Wright et d'autres jeux. Voilà, et puis je suis chroniqueur sur. Sur des trucs de Pays Pasta. Et donc Vega et moi, donc Noodle, sommes des chroniqueurs d'un côté. Donc les chroniques de Noodle et Vega. Les chroniques de Noodle et Vega, donc parlant de Virtua Tennis, de New Love, de porno, de nazis, de plein de trucs, et de plein d'autres sujets qu'on vous réserve pour la suite. Moi et Vega sera bien okay. Chroniqueur solo d'ailleurs, comme moi je le suis déjà avec la question 84. Peut-être. Et indépendamment et sans ça, au niveau en dehors des chroniques, Vega et moi sommes travaillons sur une web série. Donc Vega écrit la web série et joue dedans, et moi je la réalise et je joue dedans également. Mais en... moi j'ai joué dedans en tant que figurant, voilà. Donc figurant et peut-être un autre personnage. On va dire que là c'est la réunion des podcasteurs normands. D'ailleurs, si d'autres podcasteurs normands. Pas podcasteurs normands, pas tous les podcasteurs normands. Et d'ailleurs, s'il y en a d'autres qui veulent se manifester, on sera. Non, donc t'as. Appuyez sur un, ça fait une boule verte. Ah oui, c'est vrai. Vraiment, si d'autres podcasteurs normands veulent se manifester, on n'est pas contre. Hein. Que ce soit Alex du 76 ou d'autres, hein, on est très contents. C'est même pas un chroniqueur, c'est un chanteur. C'est un chanteur. J'arrive même pas à croire que ce mec est un chanteur. Non. Il est une vraie juserie. C'est de raconter. Hein. Oh non. Extraordinaire. Marc-Antoine, si tu veux venir dans notre chronique pour qu'on t'interview, l'appel est lancé. Marc-Edouard. J'ai dit Marc-Antoine. Antoine Daniel aussi, il y a aujourd'hui. Non mais voilà, si Marc-Edouard, c'est bien ça, c'est vrai Marc-Edouard. Si Marc-Edouard veut venir dans nos chroniques pour, okay. Pour faire une vidéo, juste pour qu'on lui pose des questions sur ses vidéos. Parce que finalement quand on est quand même passé, on va dire, quand on est passé dans Salut les Geeks et Antoine Daniel, nous on estime que la personne a le droit de donner sa réponse. Ou au moins. Parce que la première vue, justement, ce qui est intéressant avec des gens comme Marc-Edouard ou d'autres, hein, c'est que on a d'accord. Mais j'appuie sur 1. Ah, d'accord, sur 1 comme ça. C'est quoi ce truc? C'est la danse de Luigi. Ça doit être dans Luigi Mansions, peut-être, ou non. Bref, donc nous, ça nous intéresse. On trouve vraiment marrant, et je sais pas si Vega est d'accord avec moi, de un peu comme le message avec la critique l'a fait avec Martha Wilson qui est venue. Dans la chronique, à la fin de la chronique de Mara Wilson, donc actrice. T'as du mal, hein. Actrice, la Jordi version actrice des États-Unis, qui était venue dans à la fin de la chronique de Simple Wish et qui avait participé à la chronique. Oh, c'est quoi ce pomme d'ennemi? Et qui avait participé à la chronique de Mathilda de la Nostalgia Chic et qui est devenue. Donc si Marc-Edouard veut faire pareil, nous l'invitation est ouverte. Mais je doute qu'il voit cette vidéo. Bref, c'était les 5 minutes les plus inutiles du monde. Donc là c'est un Metroid et donc j'ai toujours mes 5 minutes. Et moi j'en ai plus que. Mais pourquoi je peux pas faire? Attends, je fais comment moi pour mais comment tu fais pour qu'il te reste 5 putains de vie? Sérieusement. Comment on fait pour faire l'attaque là? Oh, ça sert à rien, c'est quoi. Donc vous voyez peut-être déjà qui est la personne forte, qui est la personne de force moyenne et qui est la personne qui est une Braille. Je pense que c'est. Ah putain, on va et dire que TGF et moi sommes tous les deux Braille et que Vega est Dieu incarné. Donc vous noterez, Vega... Ah écoutez, il scande le nom. Bah trop tard. J'y veux. Il scandait Mario. Oh merde, tiens, je suis pas. C'est bien, tu as remis ta rose sur toi. Et deuxième Pokémon. Non, c'est Manaphy. Je connais rien au Pokémon, je m'en fous. Échange cœur. Quoi? Bonjour, je suis Luigi. Ah putain. Attends. Hey. Il y a un truc que j'ai pas marqué là. Merci. Oh là, explosé. Oh, oh non, tu me frappes pas. Au revoir. Putain. Victoire écrasante.
Ah mon dieu. J'en suis à 61 victoires, enfin 61 morts. Non, c'est bien, tu as toujours. Moi j'en suis à 18, donc j'ai quand même deux fois plus. On part. Est-ce qu'on faisait une bataille des gros personnages? Moi je prends Bowser. Non, tiens, je prends Roi Dadidou. Ouais, tu vois. Et toi, tu prends Donkey Kong? D'accord, on avait dit les gros personnages. Ouais. What? Ike! C'est moi qui crois. Tu nous donnes la notion de gros. C'est moi, Ike! Salopard, on avait dit les gros persos! Bah, c'est un gros perso! Non! Quand on disait gros, on disait vraiment gros gros. Au sens propre. Ike! Hein? C'est quoi ce monde des Kirby où tout le monde s'avale? Putain, c'est une partouze géante ou quoi? Oh merde, c'est ça? Ah, ça, ça me braille! Oh non, 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 dégage, 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 dégage! Petit plouf! Bonjour, au revoir! C'est là que tu remarques les Pokémon qui ont la classe. Je pense que trop de chroniques ont été faites sur. Oh putain, c'était beau ça! Trop de chroniques ont dû être faites, à mon avis, quand même, sur les problèmes des dernières générations Pokémon. Je pense qu'il y a un moyen de te résumer. Il y a un moment, il faut savoir. Les Pokémon des Pokéballs, c'est les Pokémon des dernières générations en grande partie. Les Pokémon des premières générations, c'est ceux que vous interprétez avec le dress à Pokémon. Je pense que ça veut tout dire. Je pense que d'ailleurs que Vega est assez sympa. Même si je m'en fous de Pokémon, j'ai un minimum de connaissances sur le truc. Moi je suis honnête, je m'en fous. Pourquoi je m'attends? Pourquoi? Comment on fait pour une attaque sur la Wii, sur le truc de GameCube? Comme si on allait te le dire. Non. Non, 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 oh oui! Non, non. C'était un. Mais non, moi je veux pas appuyer sur un moi. Ah mais oui, mais ça, toi t'es mené que... Mais tu vas mourir. Merci. Je sais pas qui c'est qui m'a sauvé la vie, mais je suis heureux. Mais tu vas crever, les gars, ou quoi? Je vous jure. Nintendog, Nintendog, Nintendog. Ah ouais. Oh putain. Putain. Nintendog. Je vais dans les airs, ça permet de... Ah putain! Reviens, saloperie de. Non, non, non! À moi! Oui! C'est quoi ça? Non, que sur une vie, tu t'en fous sinon. Oh, je suis mort, j'ai perdu une vie sur mes 5 vies! J'ai pas encore perdu mes vies! Je te hais! Ah, ça y est, c'est bon! Non! Crève! Yes! Allez! Oh putain! C'est pas vrai! Ah, oh, quand même! Mais c'est une blague! Bon, devinez qui est fort à Super Smash Bros. D3. Je sais pas. Putain, je me fais exploser! Oh merde! C'est la même chose! Bon, bah, tu me dis qu'on aura fini. Non, c'est bien éclaté, affamé, Belzébuth. Non, 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 non. Oh non, putain. Non. 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 Ah, je te hais. Je te hais. Je suis pas mort, mais comment j'ai fait? C'est mal barré. Désolé. Allez, Nintendog, non, raté. J'aime bien Nintendog. Ok. Non, 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 non. Est-ce que je pourrais utiliser la manette de la. Non, non, non. Tape là. Non, non, putain, il a débloqué l'attaque. Ce que je fais. Attends, les deux. Non, non, non. Oh, il y a Roi Dadidou, il s'en fait. J'ai pas envie de. Non. Et je suis mort. Eh, ouais, ouais. Est-ce que j'ai franchement une putain de chance de gagner? Non. Va te faire! Même le public! Mais y'a aucun suspense! Hey. Bonjour! On sait. Ce serait. Non, faut quand même le dire pour ceux qui ont pas regardé la première vidéo, quand même, Vega parfois a perdu. Parfois. Non, 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 elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi! Je me trompe de caméra!
vois que dalle. Je vois que dalle. Je veux juste que tu perdes une seconde vie. Oui. Meurs. Je t'ai fait perdre une vie à moi tout seul. Allez, vas-y. Maintenant tu me tues, je m'en branle. Mais putain. Non, 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 connard. C'est quoi ce truc? Lui, c'est Andros. Non, putain, Andros de Star Fox. Oh, connard. C'est fort de fruits. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Oh mon dieu. Combat numéro 2, Vega. Ah, vous avez compris que c'est lui pour la première fois. Ok, on passe sur une sélection de personnages premiers. On prend ceux qu'on aime, on s'en fout. De toute façon, c'est qui gagne. Ça y est, donc. Allez, je prends le personnage que je déteste le plus, Fox. Et pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, Royaume Céleste, Kid Icarus. Et pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je n'aime pas Fox, vous le verrez sûrement si je perds une vie avec ce personnage. C'est passé pas loin, mais vous avez vu grosso modo pourquoi je n'aime pas. Non, 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 non. Tant pis, alors là, tu sais quoi, j'ai... Je vais pas me retrouver tout seul à te regarder, hein. Non, 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 non. Oh, on s'en fout. On s'en fout pas, Manzor, c'est un des plus puissants. Sans blague. Non. C'était un des plus puissants. Surtout quand tu le pommes. Putain, arrête de prendre toutes tes Pokéballs. Oh, c'est Mew. Putain, il est super rare, il fait rien, mais c'est Mew. Ouais, en fait, c'est juste Mew, quoi. Non. Il vient, et voilà ce qu'il fait. Non, non, pour moi, pour moi, pour moi. Pour moi. Comment je pourrais avoir un Pokémon moi? Non, en fait, je crois que je vais aller me foutre dans le. Vas-y, dis. Oh, c'est la tour. Oh, oh yes, yes, yes. Non. Boum. Allez, boum. Ne me fais pas le coup. Boum, boum, allez, boum. Wouhou. Je suis encore là. Non. Et je vais mourir. Ah non. Vite, vite, vite. Mais pourquoi j'ai bloqué un Pokémon de... Oh, en fait, non, c'est pas pour les attaques. Pour les attaques, quand je disais que parfois c'était... NON. Voilà pourquoi je détecte Fox. Cette putain d'attaque foncée avec un... C'est juste de la... Mais vas-y, mais vas-y, mais achève-moi, je m'en... Oh, vas-y. Voilà, c'est officiellement ma pire défaite. Ok. Bon, t'inquiète pas, il va te rejouer bientôt. Oh putain, c'est quoi ça? Attends, je suis pas mort? Ah non, t'es mort. Ouais, je suis mort. Lui, c'est un pote à moi. Mais c'est qui ça? Un pote à moi. J'ai besoin de soigner. What? Non mais what? Ok. Lui, c'est un pote à moi. On aurait dû mettre une référence à, Damien dans la vidéo du jour du grenier sur les nazis. Dans la vidéo sur les nazis. On n'y a juste pas pensé. C'est bien l'ouverture de Alex Kidd 2. Comment on a dû faire ça? De toute façon, je joue plus, donc autant que je parle de trucs inutiles. Sinon, on fait des patates avec du cornichon ce soir. Nog. Oh putain, je suis pas là. Bonjour. Je crois que Lynn va. Bonjour, je sais même pas où je suis. Et je suis pas mort. Ah, ça. Non, tu viens gagner du Nintendo, quoi. Oh mon dieu. Voilà, pour moi, tu dois aimer Animal Crossing, par contre, tu dois détester Nintendo. Voilà, c'est ça que tu dois faire. Cela fait 74. Non, moi j'adore Nintendo. Oui, bizarrement, moi aussi, j'ai joué pas mal à Nintendo. Allez, on continue dans les personnages que j'aime pas, Ice Climbers. Et pour tous ceux qui aiment les personnages Ice Climbers, je les emmerde. Y'a pas qu'à tête pas de conne pour l'instant, ça me fait chier. Voilà, parce que pourquoi? Deux raisons. Un, c'est machiste. Deux, ces personnages sont totalement à chier. Oh putain, c'est un animal ennemi. Oh non! Putain, il y avait la même dans Smash Bros, mais elle était moins. Oh non, c'est une arête montante! Oh non, oh non, oh non! Je déteste ça. Moi aussi. On voit que la plus marquante de. Non, de ma mêlée, ça a quand même été. Je pense que tu es d'accord avec moi, les gars, ça a quand même été Ice Climbers. Oui. La montagne de Ice Climbers! Bah là, c'est la montagne de. Ce qui est génial, c'est que c'est absolument fluide. On ne voit rien. Tu es où? Attention, ça va aller vite. Oui. Ça va aller vite. Ça va aller super vite.
je crois que je vais me retrouver en jeu. Ouais, là c'est bon, je crois que je vais perdre une vie. Ah non, j'ai perdu ma femelle. Non, je vais crever parce que... Oh non, parce que la femelle est faible, du coup je vais crever. Je vous jure, bah de toute façon techniquement c'est ça leur connerie de jeu, hein, non. Oui, oui, oui. Oui, prenez-vous ma grosse montagne dans le... Bref. Putain, elle est immense. Oh ouais, c'est ma grosse montagne. Non, par contre, je vais crever. Non, putain. Elle est tellement immense que... Attends, j'ai fait ça pour que vous perdiez des vies, pas pour que je perde une vie. Où est la logique? Non, non, ne vous fais pas le coup de... Le coup de... Oh tu... Ok. J'ai eu Suicune et Latios. En gros, ils ont pas gagné le petit du groupe. Et devinez quoi? Je vais gagner pas encore mort. Et là, ah non, c'est un... Oh, c'est Tingle. Mais qui fait Tingle? Rien? Si, si, il fait apparaître des objets des fois. Ouais, bon, comme là, là, rien du tout. Donc là, c'était pas intéressant. Ça arrive, ça, ça saute, ça avance, ça... Ça fait des câlins. Non, non, pour moi, pour moi. Oui. Alors, on va avancer contre montagne. Oh oui. Nous fait voir sa montagne. Ah, que la montagne est belle. Comment c'est la chanson de TFM sur les gitanes? Ta fille au fumeur de juin, elle descendait de la montagne en fond chariot. La fille au fumeur de juin. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Bonjour. Oh tiens, j'ai des chances, on est quasiment tous au même niveau de vie. Et en plus, ouais, ça c'est pas bien. Non, non, TGF est un joueur fier et fort. Non! Juste un putain de spammer! Attends, il nous dit de speeder, mais ça nous emmène vers l'eau, ça nous tue là! Bah, je vais perdre la femelle et je vais crever. Ah oui, c'est comme ça, c'est bon. Là, bon! Putain, non, laisse-moi! La grosse montagne, troisième! Non, elle est à moi! Je l'ai? Non, non. What the... Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Pas... Ça a un peu servi à rien, mais je vois ça déjà. C'est normal parce que. On n'était pas en chute. Voilà. Par contre, putain, qu'est-ce que j'ai fait là au bout? Bah, à limite, les gars, là, il va gagner, mais un peu moins que d'habitude. C'est déjà une évo... Non! Non, connard de chat! Laisse pas monter! Non! Oh putain! Non, 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 non. Ok. Là, j'ai réussi à les jeter. Non, j'ai toujours pas mort. Ah oui, c'est pour ça. En fait, je me suis dans la roue en fait. Non, non. Ah putain, j'ai perdu. Le compteur de vie est relativement correct. Ah putain, non cheat. Ah putain, j'ai besoin d'une grosse montagne. Non. Ah non, c'est quoi ça? Non, mais je sais même pas ce qui s'est passé. Je suis descendu pour tuer. Mais il y avait quoi comme, comme aide là que j'ai eu? Oui! Je t'ai tué! Oh putain! Ma grosse montagne! Oui! Ah, pardon! Oh non! C'est qui? C'est qui? Ok, ça te dit. Et que je suis mort. Ah, t'as déjà pas grand chose, hein. Je suis trop. Je suis Drake. Oh, what the fuck. Non. Non. Pour dire, c'est assez serré, parce que techniquement, même si Vega... C'est là que vous remarquez un joueur fort, c'est que Vega a beau avoir deux vies et moi... Non, avoir une vie et moi une... Deux, pardon. C'est quand même... Pour moi, c'est assez serré comme match. Vega est un très bon joueur. Bah, j'ai pas leur insulté. Putain, ma montagne! Non! Non! Je veux ma montagne! Est-ce que je pourrais remplacer une fois? C'est pas moi, c'est pas. Ah! Oh, va te faire. Je peux faire finish, je sais pas comment faire. Oh, va te faire. C'est B, enfin moi c'est B, donc toi ça doit être le bouton rouge. Le bouton Y peut-être? Non, t'essaies le bouton rouge. Bien. B, bah c'est B, ça se joue normal. Vraiment. Oui, bah c'est l'attaque normale. Ok, donc là ça se joue vraiment au poil. Non, bah non, pour les drag finish. Oui, mais ça il faut que c'est dès que t'as le truc. Dès que tu essaies de faire ton attaque normale, ça va être l'attaque finish. Ça se joue un peu au poil de cul là, faut dire. Enfin là t'es un peu fait. Ouais. Qui me poursuit. Et ma grosse montagne.
Non, pas à toi. Ah ouais, victoire de Noodle. Première victoire officielle. Donc on nommait à Vega 2, Noodle 1, TGF 0. Ouais, ça va. Oui, mais tu vas peut-être en gagner. Oh mon dieu, qu'ils sont laids. Oh, mais c'est comme les asiatiques. Ok, on fait passer de vanne. T'as eu quelque chose. Ouais. Un peu fatigué, désolé. Ouais. On passe sur qui? On va changer, on peut mettre Zek, Skek. Check. Check. Si tu peux mettre Check. Et comment? Au pire, je me repose. Oh, c'est non, en fait, non. Ah ouais, non, ça va pas. Allez. On va niquer l'installation. Voilà. Tiens, j'ai pas pris de fille trop depuis le début du jeu. Non, ah non, c'est pas comme si il y avait quasiment qu'une fille dans tout le jeu. Deux filles. En comptant les Skander. Non, trois filles. Samus, c'est une fille. Ah oui, c'est ah, oui, oui. Donc, Miss Lander, Peach, c'est un peu faible quand même. Oh, l'île de Yoshi, pour tous ceux qui ont vu sur la Smash Bros. Melee, que des bons souvenirs. Et surtout, quelle arène méga étroite. À quoi ça t'a servi de prendre Check si c'est pour te transformer en Zelda? Non, c'est sérieusement, personne prend Zelda pour transformer. Je veux dire, techniquement, Check c'est la classe, c'est le mystère. Starry, ok. Nintendo, non? Non, SimCity. Oh, et puis c'est toi qui prends la vie dans la gueule. Le pouvoir de l'amour. Oui, maintenant tu peux le violer, regarde, c'était très efficace. Ah, c'est comme les... Non. Et regarde, et en même temps je me régénère. Merci. Ton pouvoir était très efficace vraiment. Ta gueule, TGF! Hein? Qui es-tu? Lynn, dans Fire Emblem. Le pouvoir de l'amour! Arrête, c'est une attaque comme les autres! C'est une attaque qui me soigne! Donc oui, j'aime bien ton attaque. Mais à quoi elle sert? Bah, me soigner! Quoi? Voilà, pourquoi personne prend jamais Peach? Parce que c'est fait carotte! Regarde. Latios. J'ai envie de me suicider là. Le pire c'est que je sais comment me suicider dans ce niveau alors bon. Et les gens, voilà. Non. Pourquoi je prendrais ça? Ça me ré... Oh, va te faire foutre. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Aime-moi. Techniquement là j'ai aucune chance. Je sais, faut jamais dire jamais, mais là quand même, il y a un peu de galère. Je vois que... oui. Ouais. Ça, c'est beau. Ah, les femmes ont le pouvoir, Mario. Ou pas. Putain. En fait, c'est juste une putain d'infirmière cliché, puis j'ai fait que de soigner. Mais, putain. Non. Non. Accroche-toi à la robot, les connasses. Ah, oh, putain. Ne balance pas mon attaque quand j'arrête. Ne balance pas mon attaque. Ah, big coup de shot! Hé, hey, j'ai jamais vu que le terrain allait jusque là. Il y avait une. Ok. Ah oui, il y a ça. Ah, oh. Putain, je vais mourir. Bon, je vais me suicider. Au revoir. Qui est Zelda? C'est Jeff. Ok, on a un compte à régler. Oh, le Pokémon. J'ai trouvé un Pokémon suicide. Ok. Il y a nous, on a un compte à régler. Quoi? Parce que t'avais une vie, c'était pareil que moi. Tu... Mais non! 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 Non, 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 pas. Non, putain, je me casse! Cassez-vous! Fuyez! Vas-y, si tu veux, y'a pas de soucis. Je m'en fous, plus d'équipe, au point où j'en suis, j'en prends. Pourquoi j'essaie de battre Check avec Peach? Mais je suis con. Ok, je suis. Je suis désolé de dire ça. Nintendo, allez! Arrêtez! C'est quoi ça? Il est pas content, il veut vous décrire. Je suis littéralement en train d'en prendre plein le cul! Et c'est bien ce que Peach mérite depuis des années! Bon, à mon avis, c'est ce qu'elle doit faire. Parce que pour se faire kidnapper tout le temps par Bowser, il doit bien avoir quelque chose. T'as piqué ça dans la vanne du Smudge Special Link. Ah bon? Oui. En même temps, tout le monde a fait cette vanne, donc bon, soit c'est pas grave. Ok, Peach est un personnage de merde, ça c'est fait. Ah putain. Putain,
Mais c'est. Alors, le personnage est tellement nul que moi j'ai. Putain, mais TGA, t'es encore de vie quoi. Bonjour. T'es pas encore tombé dans le putain de piège de la texture. Tu sais qui je vais lui présenter ? Uskralak. Ouais, vas-y, balance ton monde d'un, je m'en fiche. Tiens, allez, vite ! Non, saute ! Oh putain, ok, tu vas t'en prendre plein dans le cul. Non, c'est bon. Ouais. Une petite journée, tout plein dans le cul. Je dis un truc, personne m'écoute aussi. Il te l'a dit. Il t'a annoncé qu'il te l'a dit. Le Pokémon le plus. Purée de quoi ? Non, même pas. Non, tombe dans ce piège-là. J'ai envie de t'avoir tombé au moins une fois dans ce piège. Ou au moins Vega. Mais on jette Vega ! Fais-lui perdre une deuxième vie ! Je veux le voir avec 3 vies. Je veux le voir avec pas de merde. Mais merde, ce mec est trop puissant. Allez, Sonic ! Pokémon, non, oh putain. Bon bah non. Quoi? Move. What the fuck? Je vais te permettre. Voilà, applaudissement. Ah ouais là. Parce qu'il faut le faire quand même, se mettre à 4 pattes pour. Adulte ta phrase. Oh putain, le Pokémon de la couverture de Pokémon bleu. C'est fini. Et j'étais avec un frein marteau. Oh bah si quand même. Ah c'était bon quand même. Allez, la dernière. Bah, elle était belle quand même, j'ai envie de dire. Bon bah dégâts 3. Ouais, la dernière avec Divi. Sur un oh Pokémon. Je sais votre truc. Ça va être énorme déjà, je te devance. Tu gardes le pitch. Tu sais quoi, c'est le dernier combat. Ok. Au hasard. Non, non, enlève. On va pas faire au hasard. Mario. Attends, il est où? Viens, viens, voilà. C'est le moment de faire la bataille des Mario sur... Peut-être Pokémon, ok. Et c'est la dernière du combat, pour ceux qui sont encore là. Bravo. On va vous faire une dédicace aussi. Ok, Groudon. Commence bien, commence sobre. Toujours commencer à sobre. Ah donc, j'avais qui hop, et là je sors du Groudon. Normal, normal. Non, non. Les glu petits what? Oui, tu t'es fait bouffer par un truc. Non, non. Mais non. Allez, vas-y, balance. Nintendo, oh, allez, oh. Nintendo. Non. C'est quoi le truc? Non, putain, mais trop heal. Je m'étais pris en sandwich. Ok. Oh désolé TGF. Oh c'était pas fait exprès. Allez, c'est quoi ça? Ah oui, t'as. Ah oui, single, c'est. Single, ok, ça sert à rien, ok. Je sais, c'est des fois, tu t'es mis en Divi? De quoi? Putain, il s'est mis en Divi. Bah toi aussi, t'es. C'est quoi ça? Tout. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas. Quoi? Non, pour moi. Non, pas pour lui. C'est lui, d'accord. Oh putain. Prends le. Non, non. Ah. Oui, c'est bon. Diplo. Pour moi! 206%, je suis pas mort! Oh, je suis mort. Je vais bien arriver un jour. Non, laisse-la moi! On est mort. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, Copa! Oui! Tout petit, encore! Tout le temps, des avances, tout le temps! Non, non, ah putain! C'est peut-être un Nintendo! Putain! Arrête avec Nintendo! Mais je veux une Nintendo! Attends, pourquoi je pars tout le temps? Ah, il y a des tapis roulants, c'est pour ça! J'ai pas remarqué.
Ok. La bataille des Mario. Le reste, putain, dit-on à la con. Putain, le merde. C'est la bataille acharnée pour l'item. Oui. Non. Oh putain. Putain de merde. Je sais même pas où je suis. Non. Allez. Bouffe-le. Non, bouffe-le. Non. Oui. Non. Oui. Non. Pourquoi? Pourquoi je m'avance là? Pourquoi je me fais un tag? Appuie sur un contre dégâts. Appuie sur un contre dégâts. C'est des oxys. Ok. T'as appuyé sur le bouton rouge? Bah oui. Sûr. Tu es plutôt kick. Non. Non. Mais dis pas que t'as plus de vie du tout. Ah non, t'en restes 5. Donc c'est vraiment la... Oh putain, non. C'est quand même assez serré. Il peut même pas m'attendre. Oh oui! Surchauffe! Dans votre cul! Mais pas en ce là, je vais prendre la. La boule magique! Non! Putain! Bah non! Tu peux les poser? Oui! Non, enfin, oui! Non, non! Je suis mort, c'est tout! Ce que je viens de faire, c'est que je suis piqué sa boule et je l'ai rempli. Je sais pas si t'as vu. Techniquement, là, tu peux se débarrasser, je pense, de moi. Oh non! Oh non, ça me plaît pas ça. Ah, est-ce que tu l'as vu ou pas? Tiens, je déteste! Bonjour, truc! Maxime, est-ce que tu l'as vu? Quand tu m'as balancé ta Pokéball, je te l'ai prise. Ouais. Dans ma carte. Oh putain, j'ai plus 6 vies. Mais comment je peux faire l'attaque, moi, merde. Je sais pas comment mais faire tu vas. Mais bon, là, tu meurs. Non, tu meurs. Vega, j'ai dit tu meurs, là. J'ai dit tu meurs. Je te dis tu meurs, c'est tu meurs, c'est tout. La bataille des boules de feu, y'a aucun honneur. Oh putain. Y'a encore un bouton ou quoi? Non. Hey. Ceci n'est pas logique. C'est statistiquement impossible, à part avoir une chance de cocu. Vas-y. C'est bien, je suis juste derrière pendant que tout le monde s'en prend plein la gueule. Oh mon dieu, non mais... C'est... Bon, pour l'instant, je suis... On va dire que... Toutes les Pokéballs du monde, quoi. Oh, allez, boum. Non, 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 non. Dégage, dégage. Oh là là. Comment je me fais exploser? Je suis pas mort. 400%, je suis pas mort. Ok, bon, on va faire des rapides. 384%. La boule. Non. Oui. Top, top. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Balance l'attaque. Mais pas. Oui. Oui. Yes. Esquive. Non, 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 non. TGF, faut te casser. Ouais. C'est quoi? Va te faire, Vega. Oh non. Non, pas les frères. Pas les frères Boumang, le machin. Non. Oh putain de merde. Oh non, mais encore un Goopty, quoi. Pokémon useless. Moi, je propose un truc. On va dire que le défi, là, de ce match, pour la finale, c'est que Vega va gagner, hein. Non, non, laisse-moi là. Laisse-moi là. Et pourquoi je me suis foutu? What? Non, non, je devrais t'avoir attaqué. Non, bah, c'est une city. Non, oh putain de... Oh merde. Vas-y, petite vie. Objectif, faire passer Vega en dessous de la barre des 5 vies. D'ailleurs, faut au moins qu'il soit à 5 vies à la fin du match. Lance l'attaque. Vas-y. Ah, je sais pas comment la lancer. Ah, je sais pas comment le lancer la dernière fois. Tant pis, il faut que je sauve l'attaque. Désolé, hein. Mais tu vas la cracher, l'attaque.
fais pas la bouffer. Non, mais sérieux quoi. Oh, oh, c'était beau. Donc, moi plus que 3 vies, toi plus rien. Vega, oui. Vega, 8 vies. Comment tu... Putain, 8 vies quoi. Il y a encore, il y en a un où je me suis suicidé sans faire exprès. Vous regardez toujours la gueule. Ça c'est la vidéo pour les gens qui ont rien à faire le soir et du coup, tu sais, ils mettent une vidéo en fond quand ils font du travail. Je crois que même ça c'est chiant pour les gens, tu vois. Enfin c'est chiant une vidéo de la santé, non, c'est juste nous qui jouons, hein. Non, non, je ne fais pas le coup de... La tactique. Oh putain le cul. Bon, déjà je crois qu'on va à peu près mourir en même temps, vu que j'ai près... J'ai l'impression de pas avoir du tout de cul depuis en jeu. Oh putain. Alors moi j'ai une chance. Bonjour. J'ai une chance. Bonjour. Trois groudons. Un qui a. T'as vu, ils ont tellement pitié de toi qui font. Bonjour. T'as vu, t'étais venu avec la balle smash sur le terrain. Oh mon dieu. Faut tirer. Ah oui, t'as. Ah t'es mort depuis longtemps en fait. 8 vies à 1-0. Disons, ouais, disons. Oui! Boum! Oh! Ah, oui! Non! Yes! Oh non, 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 non! Mon putain! Disons, ah! Nintendo, non? Raté. Non, mais. Le mec qui a montré quelle voix. Voix sirène! Putain, j'ai tellement pas de cul que... Ah, j'ai compris. Plus tard. Enfin, tu me diras après. Ah, en fait, c'est... Ça s'appelle caméra merdique, ce personnage, non? Non, 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 non. J'ai encore un minimum d'espoir, tu me... Purée de poids. Non. Non. Oui, oui. Non, non. Et voilà. Voilà. Et je propose un tout dernier match à 5 vies. Alors moi je propose, voilà, c'était donc Vega et le rebacker. Et moi je perds toujours comme d'habitude, hein, ça c'est pas... Et on va terminer en beauté, je pense que, même si des gens nous regardent encore, tant pis. On va terminer en beauté, on va prendre ce qu'on juge, nous trois, le personnage le plus nul, chacun. Le plus nul? Ah ouais, le plus nul, et on se fait la bataille des personnages à chier. Non, sérieusement. Pikachu, tu m'es-t-il? Non, c'est tout ma gueule. Moi c'est Olimar. Moi c'est Olimar, clairement. On se fait une bataille d'Olimar? Vas-y. Oh vas-y, dernière bataille, une bataille d'Olimar. Une bataille de Pikmin. En combien de vies? Hein? En combien de vies? Bah on a mis 10. Ça va aller. Oh putain. Sur ce terrain là, ça va être super vite. Ah non, ah bah oui, c'est un WarioWare, donc ça va forcément vite. En parlant que le terrain est moche, c'est peut-être le moment de parler de... Non, on va dire que... Non, enfin... Non, c'est passionnant quand même, WarioWare. Un jeu qui a reposé quasiment que sur l'esthétique. En fait, le problème de WarioWare, c'est que moi, je considère que WarioWare, en fait, le gros problème de WarioWare, c'est que... Je comprends rien à ce qui se passe. Non, c'est bon. Je ne comprends rien. Ah d'accord. Ok. Ne le laisse plus jamais récupérer cette putain de bol. Ah merde. Quand on regarde les couleurs des... C'est pas inutile. Non, 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 faut pas qu'il la récupère. C'est Jeff, récupère-la! Putain. Donc, 8 vies à 10. C'est ce que je disais. Oh non, mais arrête avec le glou petit, putain! Glou petit de merde! Ok, ok, je ramène en fait.
Bien sûr, Vega va la récupérer et boum, alerté. Boum. Voilà. Attention, Nintendogs. Allez, dis-moi que c'est Nintendogs. Si tu me laissais le temps de la poser. Non. Bande de con. C'est quoi ce truc? C'est l'étoile de galaxie. Et perd une vie, ma gueule. Mais non. C'est bon, je suis mort avant. Donc je vais pas mourir. Non, ça va aller vite parce que Olimar est cheaté au niveau de la Brawl Ball. On va vraiment dire ça. Oh! Nous sommes des êtres dans les cieux. Le but de vie. Il est parti où? Putain, mais c'est bon quoi! À quoi ça sert de jouer? Bon, on est encore mort! C'est plus qu'une seule vie quoi. Laisse pas prendre là. Oui. Bon bah je suis mort. Au revoir. Au moins les gars on a perdu une vie. Ouais. Ouais je suis mort. C'est rapide, n'est-ce pas? J'ai perdu une vie. Et donc parce que vu que tu peux enchaîner, je vais quand même me dire 2-3 trucs. Je vais pas trop parler. Vous pouvez retrouver les deux oiseaux là et... Noudel et Vega, ceux qui sont encore en combat sur la chaîne, BYL Team. Vile Team. La Vile Team. Où, vous pouvez retrouver ces chroniques dédiées au cinéma, c'est ça? Exact. Des chroniques de Noodle. Alors on précise, c'est un peu compliqué, on a eu des petits problèmes avec. Oh mon dieu, mon dieu, my dear, my god. On a eu des petits problèmes avec YouTube, donc du coup en fait la chronique 1 et 2 de Vega et Noodle sont logées sur. Putain, j'ai foutu reset, désolé. La chronique 1 et 2 sont logées sur YouTube et la chronique 3 ainsi que la question 84, donc ma chronique solo sur le cinéma, est logée sur Vimeo, donc sur la page Noodle. Donc vous, de toute façon, vous tapez question 84 ou les chroniques de Vega Noodle, vous tomberez dessus. D'accord. Et puis vous pouvez retrouver notamment Vile où je serai participé. Je participerai à l'épisode 2. Voilà, donc Vile Team, on précise, il y a une page pour ceux qui aiment préfèrent YouTube, il y a la page. Les vidéos seront sur le Vile Team. Et pour ceux qui préfèrent Dailymotion, les vidéos seront sur Lost Level Pictures. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, là, ça vient de se terminer. Techniquement, il me reste que une putain de vie. Donc, contre 8. Et bien sûr, avec Crazetti qui est encore là. Hein. Mais vu qu'il a aucun honneur, il va. La gueule, Crazetti. Et c'est terminé. Voilà, c'était la fin. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, ces deux vidéos, parce qu'il y en a deux qui ont été mis d'un seul coup. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Jeff, Noodle et Vega. Stay tuned. Yeah. Ciao.